Fusion Bites. It shows there's some strength in me. While Corrosion Bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Even in hell, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, Pinhead, décidément, je crois qu'on ne se lassera jamais de cet avertissement. Donc là, on se retrouve pour la partie 4, si je ne m'abuse, hein. La partie 4 de notre cher Silent Hill 3.
mais j'entends une sonnerie, je me demande ce que c'est. Mais je crois que c'est le téléphone de ma femme. Petite alarme à 9h, pile au moment où je stream, ça fait toujours très plaisir. Non. Bon, alors on va passer directement à ce qui nous intéresse, hein, à savoir le jeu. Ah voilà, nous en étions là. Si on check notre chère map. J'ai baissé un peu le son du jeu. Hein. Nous en étions ici. Nous étions à la Green Ridge Mental Health Clinic. Alors la clinique pour maladie mentale. Ne m'en demandez pas plus. Donc qu'est-ce que nous avons récupéré? Parce que là je me jette dans le stream comme je me jette dans l'eau du bain. Là je sais plus du tout de quoi, de caisse, de quand. On avait récupéré quoi? C'était quoi nos objets? Bon voilà, ça on est d'accord. On a l'oxydol, ça sert à désinfecter les plaies, ça mousse quand on l'utilise. Ah oui, j'ai lu une note comme quoi c'était aussi un très bon combustible. Alors on va certainement cramer du... On va cramer de la pampers, on va cramer de la couche. Bon, on a eu une discussion avec un mec. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, là vite fait, je fais un petit topo. On a eu une discussion avec un mec à la dernière partie 3. Grosso merdo, il nous a parlé de Claudia. Il avait l'air de prendre plaisir à ce monde horrible. Moi, si vous me demandez mon avis, il ne me dit rien qui vaille. Il me dit rien du tout, hein, cet homme. Bon allez, on va ressortir de là et puis on va s'aventurer un petit peu plus dans les couloirs. Alors, je suis très content de ce jeu. Hein. Ça se voit peut-être pas quand je le stream, mais d'une façon générale, c'est un très très bon jeu. Je suis juste très surpris par le fait qu'il y ait très peu de cinématiques, très peu d'histoire. Il y a vraiment beaucoup plus action. Ça me surprend, je pensais qu'il y avait un peu plus d'histoire. Toi tu vas bien. On va essayer de le feinter. Voilà, c'est pas mal là. C'est bien démerdé. On s'est pas trop mal démerdé. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Hein. Là il y a quelque chose par terre, mais a priori c'est pas un objet. Pas un objet clé. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Même chose ici. Même chose là. Même chose là. Ah, on peut prendre l'ascenseur. Ah merde! Bon, on est piégé. Allons-y. Allons-y. J'ai pas fait attention à quel étage. Attendez, on va déjà finir l'étage. Hein, j'aurais pas être trouble rabat-joie, trouble fête, mais il y a des pièces qu'on n'a pas faites. Et en plus, ça arrive. Non, j'ai envie d'être sûr au niveau de la map. Voilà, bon, on a tout fait. Hein. Excusez-moi. Je sais qu'il y en a qui pestent là sur le chat, je les entends, mais. Non, il fallait absolument qu'on soit certain, qu'on n'oublie pas un objet clé. Alors, oui, on est au deuxième. Donc, on pourrait peut-être aller au premier. Je sais pas si ça va nous servir. Hein. On va s'en rendre compte très rapidement. Hein. Bon là il y a de l'ennemi. Hein. Ah du coup oui, on se retrouve au premier. Oui bah en fait la partie est à gauche, mais c'est l'étage du dessous quoi. Donc on est là. Hein. Non, là c'était un petit peu mal vu. Oula, c'est quoi ça? Est-ce qu'il marche mon F5 maintenant? Toujours pas, hein. C'est fou, hein. Tout à l'heure il marchait. Je pouvais sauvegarder quand je voulais. Là il veut plus. Le verrou est cassé. Qu'est-ce que ça me dit? Un livre est posé là.
On dirait un conte de fées. On va lire ça. Il était une fois un monstre vivant aux portes d'un village. Il faisait très peur et était vilain. Il croquait tous ceux qu'il attrapait. Les villageois en avaient peur et personne ne s'approchait des portes. Tout le monde restait dans le village. Mis au courant, le roi fit venir ses chevaliers qui se mirent en route pour vaincre le monstre. « Tiens, prends ça !» Leurs épées cinglèrent et leurs lances percèrent, mais en vain. Le monstre les avala, un par un, comme des amuse-gueules avec leurs chevaux. Que pouvait faire le roi? Il se tourmenta, il rumina et fit les 100 pas, mais la solution l'éluda. Quelque temps plus tard, la prêtresse du village s'en va au château. Elle était douce et bonne. Le roi lui demanda de les débarrasser du monstre. Le livre déchiré, il manque la fin. Je me souviens de l'avoir lu il y a longtemps. Je l'avais emprunté, je crois. Je ne me souviens pas de la fin. Je l'ai pourtant bien lu jusqu'au bout. Forcément, c'est toi. Bon, pour l'instant, je pense que lui, il doit être sur la map maintenant. Oui, voilà. Monster, vous voyez. On va regarder un petit peu ce que le jeu nous propose comme possibilité. Le sound design... Ah, c'est verrouillé, donc on pourra l'ouvrir. Le sound design est génial de ce jeu. Ah bah là, c'est bloqué. Alors, on peut peut-être aller à un autre étage. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. On les a déjà faites. Ah non, on peut l'ouvrir celle-là. Bon, on se tient pro combat. Y a que lui. Allez, on se le fait à l'ancienne. Oh là là, à l'ancienne. Salut Nictaras. Je suis content de te voir. Tu m'avais manqué. Oh putain, on est dans la merde. Tu viens à peine d'arriver qu'on est dans la merde, Nictaras. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien? Est-ce que tu peux me servir, c'est de me dire si le son du jeu est pas trop fort, si ça se passe bien. Parce que j'ai encore modifié 2-3 trucs. Oh là là là, mais il court maintenant. On prend le shotgun. Oh là là, mais... Il était beaucoup plus empoté avant. J'ai souvenir de qu'il était très empoté. Et maintenant il me... Maintenant il me tape quand je... Avant il me faisait pas ça. On va la voir. Salut Léa. Oh, décidément là c'est leur retrouvaille tout le monde. J'emmène le chaos et la destruction. Le son est toujours parfait. Pas de vrai problème de mix. Salut Léa. Parfait. En plus vous saluez. La politesse est de mise. Un chat formidable. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Je vous le montre après. Bizarre, mais le réfrigérateur, on dit le frigo, voilà, c'est pareil, ne contient que du foie. J'espère qu'il n'est pas pourri. C'est du foie de porc. Ok. Comme vous êtes là, je vais vous montrer mon nouveau trigger pour avoir des followers. Salut William. C'est pas beau? C'est moi qui l'ai fait. Et j'ai même pas besoin de toucher. C'est moi qui l'ai fait. Moi qui l'ai fait. Personne d'autre l'a fait, c'est moi. Encore? Ah 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 ah! Point trop n'en faut, les enfants. Point trop n'en faut. Il reviendra plus tard. Bon allez, parce que c'est vous, je vous le remontre. Salut William. Hi William. Si Léa le demande aussi, je le remontre. Alors, I'm freaking good. Did you see the fly? Do you want to see the fly again, William? I did it. Est-ce que je lui demande s'il veut le revoir? C'est moi qui l'ai fait. Allez, vous êtes prêts? Parti.
Oh. Et voilà, I did it, c'est moi qui l'ai fait. Ah, vous êtes sur le cul, hein. C'est moi qui l'ai fait. I did it, William, alone, with my little finger, avec mes petits doigts. J'ai fait cet après-midi. Ma femme était ravie, elle est encore plus amoureuse maintenant. Elle m'a demandé le mariage. Donc on a une bouteille d'oxydol et on a une bouteille de... Et on a du foie de porc. Il était dans le frigo du café pour faire quelque chose avant qu'il ne pourrisse. Ah oui, d'accord. Putain, c'est le plus beau truc que j'ai vu ces dernières semaines. Oh bah oui. Me doute, me doute, me doute. Oh, me doute. Si tu savais comme je me doute. Et le deuxième est en route depuis la mouche. Oui, le bébé, j'imagine. Non, 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 pas tout de suite. Alors attendez, hein, parce que quand je parle, après, je fais n'importe quoi. On est passé par ici, on repassera par là. Il y a une porte là qu'on peut prendre. Moi, je propose qu'on reprenne l'ascenseur et qu'on aille à un autre étage. Alors, bien sûr, pas le deuxième parce qu'on en venait. Ma femme n'a pas vu la mouche. Bon, on monte au deuxième et je lui montre parce que là, c'est un peu sombre. Malheureusement, la mouche est efficace quand c'est un peu plus éclairé. Un peu plus éclairé. Ah ben je suis remonté au deuxième, là j'ai dit qu'il fallait pas que j'aille. Bon, la mouche. Et voilà. Et voilà, Eve. C'est comme ça que ça se passe sur ce stream. Comme ça que ça se passe maintenant. C'est professionnel. Et vous avez vu le petit brouillard là? Je me suis fait chier à faire. Avec mes petits doigts aussi. Allez, reprends l'ascenseur. On perd du temps avec vos bêtises. Mais oui, il y a un son avec. Il y a le son du splash, évidemment. Je me suis emmerdé à mettre. Vous l'entendez bien le son? Oui, il y a un petit scrooge. Alors, je peux le mettre plus fort. Hein. Eh oui. Oh là là. Ah, on peut aller au quatrième. Oui, je l'ai pas mis très très fort. Alors, ça va dépendre des moments. On va attraper du follower avec ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Un tableau d'affichage est tombé ici. Il n'y a rien d'important d'écrit. Oula, on peut tomber là. Oui. Oula, 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 oula. J'ai vu le dernier moment. Nous ne sommes pas dignes du foie, alors. Tu adaptes tes blagues en fonction des items. C'est très bien. Ah, c'est verrouillé aussi. Bah, décidément. On va avoir l'embarras du choix dès qu'on aura trouvé une clé. Oh bon. Comme vous avez pu le constater, je suis de bonne humeur. Oui, je suis quelqu'un de dépressif, alors il y a des moments où je suis de bonne humeur, puis il y a des moments où je suis pas de bonne humeur. C'est plus souvent dans l'autre sens, hein. Do you like the fly? That's the basic I feel in the southern months. Attendez, là, attendez, attendez, là, attendez. J'ai peut-être été un peu vide en besogne là. Ah merde, faut rouvrir la porte. Attendez, peut-être pas, peut-être pas. Je regarde la carte, parce que est-ce que j'ai tout fait là? Ah je, oui. Ah, non, il y a une petite porte là. J'ai pas faite, mais peut-être qu'on peut pas y aller. C'est chiant parce qu'avec sur le dessin on voit pas bien. J'ouvre les portes. Je vais essayer de bien lire le chat. Hein. Hier je me suis encore rendu. Ah bah oui, je peux pas l'ouvrir parce que. Mais oui. Ok. Parce que c'est le vide. Vous voyez, hier je me suis rendu compte en revoyant la VOD qu'il y a plein de messages que je ne fais pas, que j'ai pas le temps de lire. Parce que je joue en même temps, c'est pas simple. Alors, on va essayer le cinquième. Eh ben ça marche. Oh là là, on a du bol. We don't deserve the fly. Ah, je me suis posé la question. Hein. Je me suis dit ce qui mérite la mouche. Est-ce que. J'appuie, mais rien ne se passe. L'ascenseur doit être en panne. Je me suis posé la question, hein, de savoir si vous méritiez la mouche. Puis je me suis. À la fin, je me suis dit, allez, allez, allez. Il y a du monstre. Attendez, attendez. Parce que celui-là, il est pas si méchant que ça, hein. Bon, et puis on n'a pas beaucoup de balles. C'est surtout ça. Voilà.
Il faudrait que tu fasses des sessions de discussion avec la commu, avec des jeux de craft, de simu, un truc un peu atmo et mou. Atmo. Ouais, il va falloir qu'on choisisse un excellent jeu pour la suite. Ça t'as raison. Je l'ai là, oui. Ah, vous avez vu là? Oh merde, eh oh là! Il m'a renversé d'un coup! Enfoiré. Enfin, coquin. On se connaît à peine. Alors, oui, il y a des blagues qui vont revenir. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Il y a des blagues qui vont tourner en boucle. Hein. Bah, dis donc, attendez, là. On est où là? Depuis tout à l'heure. Attendez, il y a des portes que j'ai pas faites. On va être minutieux. On va être minutieux comme d'habitude. The fly is a divine light. Indeed. Indeed. Nictaras. Indeed. Je crois qu'on n'a pas fait ces portes là. Ah, on est de l'autre côté là. Ok, donc c'est juste pour nous faire peur ça. C'est juste pour nous foutre la frousse. L'ambiance là, et alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis le son un peu plus fort. Ah, c'est très bien ça, les balles. Ah, il est plus Survival Horror celui-là, hein. Je dirais pas que je suis dans la merde, hein, parce qu'on a quand même. Ah, il y a quelqu'un qui est venu là, qui a fumé une clope. Hein. J'arrête de fumer, cette fois c'est la bonne. Mais qu'est-ce que c'est con? Qu'est-ce que c'est con comme commentaire? Elle aurait pu dire, tiens, quelqu'un était là dans la pièce, enfin, oui, développer un petit peu le mystère. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? J'arrête de fumer, cette fois c'est la bonne. Je suis déçu là. Soon the fly will be like real flying. C'est clopulo. Non, c'est vrai. Vous êtes pas déçus vous aussi là? On arrive ici. Il y a des petites allumettes. Ils se sont fait chier à les modéliser. On voit bien que le mec écrit les textes, c'est pas celui qui se fait chier à modéliser les trucs. Parce que le mec s'est fait chier à modéliser les cigarettes pour mettre une petite ambiance, tout ça tout bien. Et le mec il arrive là, le stagiaire, il dit, eh, on va écrire une saloperie. Ah, j'ai une boîte d'allumettes. Qu'est-ce que j'ai bien fait de revenir lire. Je l'avais pas vu. Et le stagiaire, il arrive et j'arrête de fumer, cette fois c'est la bonne. Il te fout tout par terre. Bon, on a une boîte d'allumettes, je pense qu'on va pouvoir enflammer la bestiole. Hein. You're right, we don't deserve it, maybe because we have not. J'ai pas compris. Je peux pas tout comprendre, hein. Je suis pas non plus... Je comprends pas tout, moi. Je comprends beaucoup de choses. Il y a des choses aussi qui m'échappent. Notamment en anglais. Ah, we don't deserve it. Je sais ce que ça veut dire. Because we have no shit. J'ai pas compris, hein. J'ai l'impression que c'est de la blague encore un peu scato. Ça me regarde pas. Hein. Vous gérez ça entre vous, hein. Je vois que ça rigole. Tant mieux. Bon là, je peux pas passer... Oh, oui. Non, bon, faut faire le grand tour. J'ai fait une erreur. Mais bon, c'est fluide. On y arrive. J'aimerais bien repasser au katana, mais... Bon, là, on a vu la chaise. Là, c'est magnifique. Hein. Ça mériterait... Là, c'est la capture d'écran. Hein. On a combien, là? 24-12. Là, c'est la capture d'écran. Hein. Essayer de prendre une petite pause. Regardez ça, on va se mettre comme ça avec le flingue. Ouais, mais ça zoome pas assez. Voilà, comme ça. Attendez, on va se mettre bien là. Voilà, 24-12. Ah, maintenant 24-32. Quelque part, je t'en veux un peu de m'avoir fait découvrir Silent Hill. Les jeux sont beaux, une belle ambiance, mais je pensais que c'était plus grand, plus magique que ça. Bah, ça a vieilli. Ça a vieilli. Non, non, puis attends, non, non, il y a aussi autre chose. C'est que faut y jouer et pas parler. Je t'assure que moi là quand j'y joue je parle en même temps. Mais c'est un jeu à jouer. C'est pas du tout les mêmes sensations quand on regarde. Alors ça ressemble énormément à la pièce qu'on a eue hier. Sauf que maintenant il y a le tableau pour pouvoir sauvegarder. Mais ne m'en veux pas, hein.
Essaye de faire abstraction de ce sentiment. Tu as sans doute raison, connaître un jeu en tant que viewer n'est pas la meilleure des idées. C'est vrai. Et non, puis en plus, moi j'y joue vraiment. Un jour, je vous montrerai avec ma webcam, mais j'ai pas envie de la bouger parce qu'après, c'est. Il y a même des petites marques pour pas que. Enfin, bon. Bon, il y a tout un setup, voilà. J'ai pas envie de bouger les trucs. Mais j'ai une très très grosse télé, moi, là. Avec bon, une bonne qualité de télé. Et j'ai le casque quand même assez fort. Et je peux vous assurer que moi, je. C'est pas du tout. Enfin, je suis dedans, quoi. En plus, j'ai le contrôle du truc. Mon seul rapport avec vous, c'est mon petit téléphone, là. Je suppose qu'il existe une littérature sur Silent Hill, quelques fanfictions. Oui, je pense que Léa peut t'aider là-dessus. Hein. Je crois qu'elle nous en avait décroché un ou deux mots. Là, il y a un seau. Il y a une légende sous le tableau. Flamme purificatrice. Ah bah, c'est où on était tout à l'heure, c'est la même salle, sauf que maintenant, les tableaux sont là. Tout à l'heure, elle n'y était pas. Alors. Oh. Oh bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc. Ça serait pas un nouveau bouton pour follow? Près de ces ruines se trouve le chemin du paradis. J'ai déjà vu ce tableau quelque part. Non, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est comme si je le connaissais. Y a rien dans le seau? Non. Non, parce que avec Léa, la dernière fois qu'on a vu un seau, on a passé 2 heures. Hein. Il fallait mélanger les trucs dedans. Il y avait un tableau accroché ici, mais il ne reste plus que la légende. Il va falloir mettre les. Non. Il ne reste plus que la légende. Non, parce que quand je parle en même temps, c'est là où on se paume. Hein. Hier, par exemple, on a super bien progressé. Je regarde ma carte vite fait pour voir si je fais pas de bêtises. Ah, picture. Donc il y a quelque chose à faire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là dans le seau? On peut. Les flammes purificatrices, on peut mettre l'alcool. Hein? Qu'est-ce que je suis censé faire? Voilà. Ça, vous avez vu l'indication là? Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Au début de la partie 1, quand il y a le seau et qu'il fallait mélanger l'eau de Javel avec, souviens-toi Léa, avec le détergent, au moment où j'essayais de combiner autre part, il me donnait une indication en me disant que c'était pas le bon endroit en fait. J'ai été mauvaise langue avec le jeu. En fait, le jeu me donnait une indication en violet, comme là. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Qu'est-ce que j'en sais? Donc, je pourrais brûler l'affiche, mais une allumette sans consomme trop vite. Comment faire doper la flamme? Eh ben, faut combiner. Ah, bah, ça marche. Ouh, ouh, ouh. Oh là 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 là, ça mérite une petite mouche. Beware the color. Je lis vos messages juste après ça. Ah bah d'accord, no respect pour l'art. Aucun respect. Alors qu'est-ce que... il a écrit quelque chose. J'ai pas de fanfiction sous la main, par contre, j'ai le livre explicatif officiel. Ah oui? Comme ça l'antil est né, l'histoire de la conception, des persos, etc. Ah parfait. Tu l'as acheté où? Un très très beau complément au jeu. Parfait. Fous le feu à l'alcool et bouffe le foie. Bad boy. Heureusement que je t'ai pas lu. Ah, Beware the Color, ça j'ai lu. Bonsoir Bad Boy. Ah, salut Bad Boy. Bad Boy Gamerang. Bienvenue à toi. William qui parle avec Nick Taras. Ah, Léa, je ne suis pas fan de Behind the Scene, plutôt d'un truc toujours dans l'univers, tu sais. Ok. Donc on a brûlé le tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu donc dans ton panneau, petit seau? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On est où? On est d'accord qu'on avait tout fait à cet étage, hein? Oui. Vous avez vu ça, là? C'est quoi, ça? Vous avez vu ça? C'est une bouche avec je sais pas quoi? Elle dit rien? Voyons, moi je dirais des choses. Il y a encore des trucs à lire. Qu'est-ce que c'est que ça? La fin du conte de fées de tout à l'heure? Ah oui, alors qui s'est débarrassé du monstre? Comment on s'en est débarrassé? Elle ou ma cigarette? Putain, j'ai plus ma clope. Ah, elle est derrière mon portable. La coquine. La coquine. La coquine.
La prêtresse accepta la requête du roi et se rendit vers les portes du village. Quand elle vit le monstre, elle tenta de lui parler, pas de le tuer. Voilà, elle était dans le dialogue. La ferme, je vais te bouffer. Le monstre n'écouta pas un mot du discours de la prêtresse. Elle essaya quand même de le convaincre d'abandonner. Ce n'est pas bien de manger les gens, vous savez. La colère du monstre doubla et il l'attaqua, la tuant d'un énorme coup de patte. Ben voilà, voilà comme il faut qu'on fasse. Ça me fait plaisir qu'elle te plaise. J'aime les faire. Alors, et c'est tout? Oui, bon, non, on relit pas tout. Bon, ok, bon, bah ça nous a donné aucune indication de comment tuer le monstre. Et là, on se retrouve au... au 4. Les behind the scene. Bon, lui, je le tue comme ça, hein. Merde, elle recharge. Et ah, on peut. Là, c'est pas Resident Evil, alors ça fait très plaisir. On peut bouger pendant qu'on. Mais qu'est-ce que tu fais à part montrer ta culotte là? Putain. Et non, mais on va pas crever là. Putain, mais. Et ça fait 4 fois là qu'elle me touche. C'est l'ennemi le plus... Et elle recharge là, j'y crois pas. C'est l'ennemi le plus retors du jeu. Attendez. On va être obligé de se prendre un objet de guérison là. Alors, peut-être pas ça, si. Bon ça va, ça nous enlève que dalle de vie. Allez, on va te calmer là. Ouh là là! Marrant, j'écoutais du Bluetooth industriel ce matin et ça me fait penser à Silent Hill rouillé. Au Silent Hill rouillé. Ouais. Je suis pas très fan quand il fait du l'Indus un peu. Enfin, c'est pas de l'Indus, mais tu vois ce que je veux dire. T'as pas un shotgun de qualité pour défoncer leur sale gueule? Si, mais je préfère garder pour les boss. Je préfère garder ça pour l'instant pour les boss. Le shotgun. Alors je sais pas, je crois que William vient de... Je crois que William vient de Las Vegas, hein. Il va nous confirmer ça. On va se le faire au katana lui. Merde. Putain. Ah je suis pas doué. Faut dire que les animations sont... Ouais ouais ouais, allez, shootgun là. Non, le katana comme ça, c'est très bien. Oh putain, mais je l'avais eu là. Allez, moi, arrête de montrer ta culotte. Putain. Eh, j'ai fini Dark Souls, hein. J'ai fini Sekiro, hein. D'une main. Saloperie. Bon, au moins on a plus la musique stressante. Oui, il est français, Bye Bye Gamerang. Bien sûr. Il a un pseudonyme anglais, mais il est français. C'est déverrouillé. Ah oui, on est arrivé par là. Bon, on va continuer quand même notre petite expédition. Par contre, on sait toujours pas comment se débarrasser du monstre. Hein. Le comte nous a rien dit à ce propos. Hein. Et regarde, Bad Boy Gamerang, c'est spécialement pour toi. Ne me remercie pas. J'ai conçu ça. C'est mon attrape follow. Mon attrape ou vieux vert. Oh là là là! Je vais me venger sur elle. Enfin, je vais me venger de parce qu'elle m'a attaqué. Saloperie, c'est l'ennemi le plus dur du jeu. C'est bon là? Il était sous le lit. C'est pas vicieux ça?
Bon, c'est, il est cool au niveau de la vie, hein. Pourquoi on est venu là? Il n'y avait rien du tout. Elle est vraiment liquide, cette mouche, quand même. Ah, croyez-moi, j'ai passé du temps pour faire cette petite animation. Non. Mais bon, il fallait avoir l'idée, quoi, hein, quand même. Et puis, il fallait trouver le sang. Il fallait trouver la mouche. Puis, il fallait trouver le son. Enfin, bon. J'ai fait des études, hein, pour ça. Hein. J'ai fait des formations, hein. J'ai des diplômes. Là, ça va être déverrouillé, voilà. Mais bon, il nous faut encore un objet, je pense. Alors non, mais maintenant, c'est une mission, il faut que je les tue, quoi. Je les déteste. Non, ils sont trop nombreux, là. Allez, on se casse. En plus, il y a un chien, merde. Pouh. Ambiance, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a du flouze, il y a de pesetas. Mais j'exige un silence complet lorsqu'elle apparaît. Afin de bien presser la liquidité de l'écrasement moustique. Allez, c'est parti, juste pour Nyctaras. Moi, je l'entends pas, l'écrasement. C'est comme la musique du générique, je l'entends pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un paramètre à faire, je sais pas lequel. Et d'ailleurs, ça me gêne pas, au contraire, c'est cool, comme ça, j'ai pas tout le temps les sons. J'ai une pièce en argent. La lampe éclaire de vieilles pièces d'argent que j'ai déjà vues quelque part. J'en ai déjà une, pas la peine d'en prendre d'autres. Je ne suis pas une voleuse, même si je me comporte un peu comme une commune de temps en temps. Alors on a une pièce en argent. Là il y a... Ah, le jeu est curieux quand même. Ah, il faut mettre plus fort le son de la mouche. Et ça tout de suite. On va le mettre à... Vous allez me dire. Vous allez me dire si c'est mieux. Vous êtes prêts? Alors, faut mettre plus fort ou pas? Je viens des États-Unis. Ah, tu viens des États-Unis, Bad Boy Gamerang? Je ne peux parler français, seulement l'anglais, s'il vous plaît. Ah, ok, we can speak English if you cannot speak French, no problem. Bah, ça, mais t'es français, Bad Boy Gamerang? Mais tu te fous de nous? Tu plaisantes, en fait. Après, je vais avoir un doute. Oui, plus fort. Il faut mettre encore plus fort! Oh là là. Non, mais il faut que ça soit. Me raconte pas de bêtises, hein. Je vais le mettre à 95. Voilà. Dis-moi si c'est bon, là. Hop. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Allez, faut que je joue après. C'est parfait. Bon, nickel. Il y a un message sur le mur. Et ainsi vient la richesse. Un sac de pièces d'argent n'est plus qu'un chiffre dans un livre. Cependant, le destin n'a pas de prix. Les gens le savent-ils? Donc il faut qu'on mette la pièce dans un livre. Rien qu'un vieux distributeur, celui-ci contient des sodas. Toujours bien réfléchi, j'ai plutôt soif. Mais je me vois mal boire un truc acheté dans un endroit pareil. Tut 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 tut. Fais pas ta fine bouche. Ça marche en plus. Ah mais c'est bien mon objectif, c'est pour ça que j'ai fait la mouche. 10K minimum. Qu'est-ce qu'il y a dans la canette? Alors dans la canette il va y avoir un truc. Et voilà, mais voilà. C'est la clé de quoi? J'ai une clé d'assurance vie. J'ai une clé d'assurance vie. Ah la traduction là, vraiment je m'en souvenais pas, hein. Bon allez. On va reprendre l'ascenseur, hein. Alors par contre je sais plus où il y a une porte à ouvrir. Là on a la oui, on a débloqué là, les deux portes.
C'est au premier? Non. Ah si. Là, là. Là, là, il y a une porte. Au premier, il faut qu'on retourne au premier. Je connais la carte. Attends, je vais lire ton message quand je serai dans l'ascenseur. Voilà, là je suis bien là. Alors, qu'est-ce que tu m'as écrit? Pourquoi c'est si mal traduit? C'était comme ça aussi à l'époque? Ça ne pourrait jamais sortir comme ça en 2020? Oui, oui. C'était comme ça à l'époque. Enfin, je crois, hein. Oui, il n'y a aucune raison. Que ça a été modifié, mal traduit à nouveau. Thank you very much. Oh, tu m'as l'air bien en forme, bad boy. Il y a des exemples de jeux récents si mal traduits? Je sais pas. Alors, par ici, normalement, il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Hein. Ce serait pas celle-là. Vous entendez la sirène, là? Non, c'est juste en face de nous. Je me suis trompé. Vous entendez le... Comme un sonar dans la mer. Ah, j'ai utilisé la clé d'assurance vie. Allez, c'est fluide, là, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Allez, on va à droite. Je sais que c'est à gauche, mais je vais à droite, comme ça, ça sera fait. Moi, j'ai pas d'exemple de jeu récent, hein, aussi mal traduit, là. Je suis en train de réfléchir. Non, ils peuvent plus se permettre. À l'époque, il y avait eu le... Oh merde, je reviens sur mes pas, je suis comme idiot. Il y avait le Dragon Ball Z, qui était magnifique. La légende Saiyan. Alors là, je crois que c'est le jeu le plus mal traduit que j'ai lu. Que j'ai lu. Que j'ai... auquel j'ai joué. Bah, c'était pas vraiment de leur faute. Ils avaient peu de place au niveau des caractères japonais. Donc, ils mettaient des mots sans verbe parfois. Ou alors un verbe et pas d'article. Enfin, c'était compliqué. Ils étaient limités en taille. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Juste, il y a un petit problème, je ne peux pas aussi parler qu'anglais. Une clé d'assurance vie, c'est en fait le truc qui permet d'ouvrir la porte. Hein. Voilà, faut pas se poser plus de questions. Alors, Bad Boy Gamerang, je sais pas si il c'est une blague, mais je sais pas s'il parle un peu français ou alors il s'amuse. Parce que j'ai peur de confondre. Mais il est français, Bad Boy Gamerang. La fin de ce conte de fées. Évidemment, je me souviens bien, il m'a déjà écrit en français plusieurs fois. Speak English if you want, I'm multilingual. Try me in Russian. Alors, on va voir encore la suite de ce conte. Le roi et le peuple. Le roi et le peuple pleurèrent la mort de leur bonne prêtresse. Dieu eut pitié d'eux et exauça leur vœu en la ressuscitant. La prêtresse ouvrit les yeux, comme elle le faisait tous les matins. Elle retourna dans la tanière du monstre. « Idiote, veux-tu mourir une deuxième fois ?»« Non, c'est toi qui mourras. » La prêtresse était venue terrasser le monstre. La prêtresse étant la bonté même, sa tâche la remplit de tristesse, mais elle n'avait pas le choix. « Les glaives et les lances sont inutiles ?» Les flèches et les balles ricochèrent. « Je suis invincible !» se moqua le monstre. Mais la prêtresse n'eut besoin ni de glaive ni de lance. Un sort suffit. « Tu fuis, Egoiris !» Et alors, le monstre lança un énorme cri et mourut et se volatilisa. Alors, « Tu fuis, Egoiris !» Les villageois purent de nouveau sortir de la ville et aller en boîte de nuit. Ils vouèrent une reconnaissance absolue et éternelle à leur prêtresse et vécurent heureux à jamais. C'est un beau conte, hein? Ça donne un petit peu envie de chialer. Fui, ego, Eris. Weird writing. Mais il fallait pas le dire là, idiote. Tu fuis, ego, Eric. Je me doutais que t'allais faire une petite blague. Allez, ça sent le boss, hein? Et je vais reprendre le shotgun. On va regarder en comment on est niveau vie. À chaque fois, je me plante. Hein. Je me plante plus que quand c'était... quand tout était dans le même pactage. Là, maintenant, on a objet, arme, provision, mais à chaque fois, je me plante quand même.
Allez hop, on prend le shotgun. Ce que j'aimerais bien voir, c'est combien j'en ai des balles. J'en ai que 14, mais c'est pas mal. Je pensais en avoir moins, entre nous. Allez, on retourne voir ce délicat coquin. Je pensais que toi... Non, comment il s'appelle ce genre de foot? Hugo Loris. Là, ça aurait été plus rigolo. Tu fuis, Hugo Loris. Tu vois, je suis obligé de corriger tes blagues. Malheureux, hein. Hein, ça, tu vois, ça... Malheureux quand même que je suis obligé de corriger les blagues de mes viewers. Peut mieux faire. Je vais marquer sur ton bulletin. Participe. Participe, mais peut mieux faire. Il va être parti. Bah oui, tu fuis, Hugo Loris. Hugo Loris, il est parti. En fait, la sirène, c'est Vincent qui teste sa corne dans son bureau. Mais c'est qui Vincent? C'est qui Vincent, Léa? Après, j'étais pas sûr de la connaissance footballistique de ta communauté. Léa, je sais qu'elle supporte la JO Auxerre, mais le reste... Moi, quand j'étais jeune, je supportais l'équipe de Caen. Mais maintenant, j'en ai plus rien à battre. Déjà parce que je crois que dans l'équipe de Caen, il y en a pas un qui est né à Caen. Et puis bon, bah, le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Alors c'est interchangeable. Ça pourrait être l'équipe de Coca-Cola contre Orangina, quoi. Aucun intérêt. Le foot, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. Si, quand il y a le mondial. Allez, quand il y a le mondial, oui. Il y a encore un peu de cohérence, on va dire. Mais sinon, de savoir que l'autre, il a été transféré chez machin et qu'en fait, ça, il pourrait très bien jouer contre son équipe. Je trouve ça complètement... Enfin, ça m'intéresse plus du tout. Non, non, moi j'aimais bien supporter Caen quand j'étais petit. On est sorti là, hein. Je n'ai plus rien à faire dans cet immeuble, faut que je rentre. Bah oui, mais moi je veux bien que tu rentres. Oui, mais ben, je rentre. Allez, on s'en va. Mais en fait, Hugo Loris c'est vraiment parti, on va retourner à Silent... On va aller à Silent Hill? On peut passer par les égouts, ah non. J'en ai marre des égouts. Oui, Malherbe. Oui, c'est Malherbe. Attendez, je suis pas... Là, je vous lis et puis je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut prendre une voiture? C'est quoi? On est bien sorti par ça, hein. C'est bien par là. J'en ai assez de cet immeuble dégoûtant. J'allais dire immonde, immeuble. Je rentre à la maison. J'habite quoi? J'habite tout près d'ici. Bon. Eh ben allons-y. Mais on peut pas. Salut Bambina. Ça va, Bambina? Hola, ¿cómo estás? La señorita del abanico al por un puente del fresco río. Mais alors, quoi? Faut qu'on attaque le mur? Vous avez une idée, là? Je trouve ça fou. Elle dit qu'il faut rentrer, mais on peut pas rentrer. Il y a une porte que j'ai pas faite. Là, c'est un autre building, quand même. Je n'ai plus rien à faire dans cet immeuble. Il faut que je rentre. Mais c'est pas le même immeuble. Cocotte. T'es gusta la mosquita? Check ta carte et regarde où elle habite. Mais j'ai pas de carte. Je n'ai pas la carte de ce secteur. Muy bien, chico. Rico. Faut dire Rico, hein. Muy bien, Rico. Mais c'est pas le même immeuble. Qu'est-ce que... Je ne veux pas aller là. J'en viens, mais on est à 1 km. C'est pas du tout là d'où on vient. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Regarde. À la limite que quand on est là, qu'elle me dise « Je ne veux pas rentrer dans le Hilltop Center », je veux bien comprendre. Mais quand on est dans un autre immeuble... Non, 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 je ne veux pas rentrer dans celui-là non plus. J'en ai marre. Bah oui, mais il faut se forcer. Il faut se forcer un peu. Pourquoi t'as tué la mouche? Mais j'ai pas tué la mouche. C'est pas moi qui la tue.
Ah, faut aller là. Oh! J'étais sûr que ça allait vous plaire. J'ai fait pour vous. T'as vu ça, Bambina? J'ai fait ça avec mes petits doigts. J'ai fait ça avec mes petits doigts cet après-midi. Comme ça. J'étais là devant mon clavier, j'ai fait comme ça. Pardon. Pause qui m'a pris, pardon. J'avais envie de faire cette blague. Alors, bien sûr, on peut aller par là, mais moi, je voulais regarder ce qu'il y a ici. Regardez, c'est fermé, ça. Oh non, mais là, c'est fou! Vous avez vu ça? Ah, ça te rappelle Rec. Bon, allez, on cherche tous ensemble le petit logement de Miss Caquette. Eh, vous avez vu, là, c'est quand même fou. Il y a aucune indication ni rien, mais y a quand même, ils se sont fait chier à modéliser un cadenas et tout. Je trouve ça curieux. Bon, allez, elle habite à côté, elle habite à la Daisy Villa Apartment, et puis voilà. On va rentrer à la maison. Si, c'est là. C'est sûr que c'est là. Ah, mais il y a le vide ordure, voilà. Attendez, on check déjà. Bah dis donc, c'est pas très très propre hein, chez elle. Hein. Ce n'est qu'un vide ordure, rien d'important. Bah rien d'important, le vide ordure c'est drôlement utile. C'est ça les gosses de riches. Hein. Ce n'est qu'un vide ordure, rien d'important. Bah oui, bah on voit bien que t'es pas né dans les favelas. Ils aimeraient bien en avoir des vides d'ordure. C'est pas chez moi. Allez, j'ai l'impression que la traduction est de pire en pire. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Bambina des favelas. C'est pas chez moi. Bah dis-nous où t'habites. Attends, on va peut-être qu'en regardant la clé, ça sera plus simple. Elle a la clé de chez elle. C'est marqué quoi? 152, j'arrive à lire moi d'ici. Hein. Vous irez peut-être pas. Examinez. L'inscription appartement 102 Daisy Villa est gravée sur la clé. Allez, Romain, c'est qui le meilleur? C'est qui le patron? Mon 102. Pour eux, c'est le... C'est... Vous êtes d'accord, hein, vous vous rappelez. Hein. Pour eux, le 102, c'est le rez-de-chaussée. Allez, voilà. J'ai utilisé la clé de la maison. C'est une fille. Je spoil, Bambina, c'est une fille. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Oh, mais je suis désolé, je l'ai fait au moment où fallait pas rigoler. Son père est mort et puis moi je m'amuse avec ma mouche. Toutes mes confuses. Toutes mes confuses. Toutes mes confuses. J'ai mal calculé mon coup avec la mouche. Hein? On était 10 000, là on vient de passer à 4. Et la mouche n'y fera rien, là. Ils reviendront pas. Je pensais qu'elle allait m'avoir des nouveaux followers et puis au final elle m'en a fait perdre. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Did you do this? C'est Claudia qui a tué mon père? But why? Why? Revenge for 17 years ago for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! Another reason. Mais moi je la défonce. To fill your heart with hatred. Elle la laisse causer, elle vient de tuer son père, normal. One day you'll understand why. No, I'll never understand.
Do you know my sister? You must try to remember me, and your true self as well. You will birth a god, and build an eternal paradise. Ah bah carrément. On va engendrer un dieu? Ah oui, voilà, c'est la meilleure solution. Quand on me sort des âneries pareilles. Oui, tu dis non, mais c'est un nom qui veut dire oui. Putain, on n'a pas sauvegardé depuis longtemps, là. Mais tire-le dessus, quand même. Mais là, laisse pas s'enfuir, gourdasse. Allez, on prend le shotgun. Vous avez vu ça, comment j'ai vite réagi? Ah, il se protège. Oh là 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 là. Attendez, comment on fait F5? Au secours, le jeu. Attendez, c'était combien? C'était ici, je sais plus. Je peux pas. Attends, j'espère qu'on va pas mourir. J'ai pas sauvegardé. Oh putain. Ah non, mais on peut se sauver. Je vois qu'il y a une petite balustrade. Enfin, il y a une petite échelle à la balustrade. Je me heal. On peut pas le tuer encore. Allez, c'est ça, on se casse. Non, allez! J'ai eu du bol. Je l'ai eu. Faut le mindfucker. Non, il recharge. Dépêche-toi, gourdasse. Pardon, coquine. Non! Pardon. C'est l'émotion. Bon, on va le tuer là. Elle recharge encore! J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, les amis. Allez, bute le boss et je vais me coucher. Il se couche avec les poules. Nick Taras se couche avec les poules. Vous pouvez vous moquer de lui, hein. Ça va jaser encore après quand tu vas partir. Il est mort. Il est mort. Comment ça casse à chaque fois le truc? I don't know what to say. Then don't say anything. Qu'est-ce qu'il fout chez nous, le détective? I'm fine, so just oui, voilà. Get out of here and leave me alone already. Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead. He's murdered. Get out. This is all your fault. If it weren't for you... Oui, mais il est sorry. Donc ça va. C'est vrai que pourquoi il est rentré? Comment il sait qu'on habite là? Ah, c'est un détective. Puis il nous a retrouvés. Qu'est-ce que sa mission est finie? Cinématique. Ah bon, on appelle même pas la police, rien. Ça va aller comme ça, oui. Allez, on s'en va. Ils ont mis le drap, c'est bon. Il n'y a personne pour l'enterrer comme il faut. Bah toi, peut-être. C'est ton père. C'est ton popo. Oui, en plus, il y a le sang qui est dégueu. Enfin, oui, sorry papa, bah oui. Bah... Et maman, si elle était là, qu'est-ce qu'elle dirait? Ah, la musique, là. On va aller à Silent Hill.
Ça mérite la mouche, ça. On retourne à Silent Hill. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. Allez, Nita, une demi-heure, là. Tout le monde te demande. But she won't get away with what she did. On va à Silent Hill, là. Ça rigole pas. When I find her, I'll kill her myself. Tu lis mon deuxième roman? Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. Ah, ok. None of your business. I'll give you a ride. Ah, il nous emmène. Très bien. I don't need your help. Mais si, si, il a une voiture. Yeah, but it's too far to walk. Voilà. Besides, I'm partly responsible for this. La mouche n'attend pas. I'll bring the car around back. Come by and we'll finish saying goodbye. Ah, faut que je dise. Eh, hey, je suis en deuil là. Hein. Oh, you might die too. Que je dise au revoir à mon popo. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. Allez. C'était l'époque où on avait des petites télés comme ça, bah dis donc. La suspension consentie d'incrédulité devait pas être terrible. Hein. Avec de la bonne VHS. Oh, remarque, moi j'ai connu. Hein. Vous vous rendez compte que moi je suis né à une époque où il n'y avait pas internet. Jusqu'à mes 16 ans. Mais c'était super. Je l'avais déjà dit, mais je leur dis. Je vais trouver cette femme et la faire payer, je le promets. Mais elle était devant toi. Elle était devant elle. Je me demande si papa serait en colère avec moi pour penser ça. Bah non, il serait la vengeance, évidemment. On va faire un petit tour dans la salle de bain quand même. Bah, ils ont modélisé la salle de bain, on peut pas prendre de douche. On pourrait quand même se laver, regardez, on est tout sale, on est plein de sang. De cette immonde bête. Dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas... on n'a pas sauvegardé, je trouve ça curieux. La bibliothèque de papa. Rien d'anormal. Que des livres sur la Waffen-SS. Rien d'anormal. Oh, plaisante. Ça, c'est la sortie. J'ai envie de voir quand même la petite la baraque avant de partir. Parce que là, c'est quand même le lore. C'est le lore. La cuisine. On peut allumer notre petite lampe. Ah, voilà. Chez nous, on est même obligé d'allumer la lampe torche. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. J'ai rien à faire dans la cuisine. D'ailleurs, j'ai pas du tout faim. Bon, allez, on y va. On y va, Nyctaras. C'est là où il est mort. Hein. Elle a rien nettoyé. Papa, pourquoi es-tu mort? Bah, parce que Claudia t'a tué. Je croyais que tu étais l'homme le plus fort du monde. Menteur. Inutile de retourner sur le toit. Ce monstre est mort désormais. En plus, Douglas attend dehors. Allez. On va pas faire attendre plus longtemps Douglas et Nyctaras. Tout le monde a envie de revoir Silent Hill, je sais. Ah voilà, petite save. Allez. On a tous envie de revoir Silent Hill. Et puis on se laissera à Silent Hill. Peut-être pas, ça fait qu'une heure qu'on joue. I just met some guy named Vincent. Vincent? Ah, c'est pour ça, Léa, tu parlais de Vincent tout à l'heure. Il s'appelle Vincent, j'avais oublié. Excuse-moi. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Je ferai pas confiance à William. Je lis vos commentaires. Hein. Même si je réagis pas, je lis tout. Hein. N'inquiétez pas. C'est quoi ça? Simple works. Size, seats, paper. To my dear daughter. Ah, ma chère. Trahison.
Oui, je crois bien. Ah non, non, mais Vénus, c'est pas du tout la sœur de William, c'est ma femme. Si, elle est là. Elle est dans la chambre avec le, avec notre enfant. She's here, but in the other room. One day I will show you. But now, with the kid. Maybe, if you are kind. Si vous êtes gentils tous, un jour je vous montrerai Vénus avec le bébé. Once, on a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Mais il est pas méchant, ce détective. Au final, on l'a mal jugé. On était trop vite. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? You're sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. J'aime bien cette séquence dans la voiture. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. Ouais, Dahlia la méchante. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. Douglas a stalker bisounours. C'est complètement ça. You see, that girl had special powers. Powers? Powers. Il est tout le surprend. Hier, j'ai mangé 4 yaourts. 4 yaourts? 4 yaourts? She could kill people just by wishing for it. In the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. I've been chosen as the sacrifice. C'est pour que vous ayez les mains moins moites. C'est pour vous détendre. After the god was killed, the girl reappeared. Et comment elle sait tout ça? She was holding a baby in her arms. Foulue sur le pare-brise. Before she died, she gave the baby to my father. He loved me just like I was. Exactement. Comme à l'époque. Ouais, faut suivre l'histoire là, les enfants là. Oh. Moi je la connais l'histoire donc ça va, mais vous. It was so sudden. Cult of the Mouche. Oui, ça allait parfaitement sur le pare-brise. A chance to tell you. Goodbye. Non? Tell you how happy you made me. Donc là, c'est la vengeance, hein. On retourne à Silent Hill pour se venger de Claudia. Ouais, Popo, il est...
quand les voisins vont découvrir ça, ça va, ils vont dire, tiens, c'est du propre. C'est qui Leonard déjà? Get the map, right? Yeah. Gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you who's afraid to be alone? You're right. I'm scared. I am afraid. Oh no, I am afraid. I'm 50 something years old. I never seen. Dans le livret, ils disent qu'il a 40 ans. Et là, ils disent qu'il a la cinquantaine. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. On aurait pu mettre la mouche sur Popo, c'est vrai. You finish looking around the hospital. Okay? Roger. Et pourquoi on commence par l'hôpital, d'ailleurs? Parce que c'est Silent Hill, d'accord, mais en tant que joueur, mais toi quand il va comme ça pour te venger Claudia, bah tu cherches Claudia, tu vas pas à l'hôpital. Ils ont oublié le haut, ça rentre trop bien, c'était à quel mot, ils ont oublié le haut? Eh oui, une clope. Je vais te fumer une clope. Bon, on est dans la petite chambre d'hôpital, on est dans la petite chambre de... C'est un motel ça, hein, vraisemblablement. On va pas pouvoir ouvrir la... C'est la salle de bain, j'en ai pas besoin pour l'instant. Bah oui, elle est tachée de sang, mais elle en a pas besoin. Allez, une nouvelle save qui va m'enlever mon fond vert et casser toute la magie de ce stream. Ça doit être une coïncidence, mais quand même, c'est bizarre. Qui aurait pu faire ça? Sauvegarde aboutie. Allez, alors est-ce que ce Silent Hill là est plus beau que sur le Silent Hill Enhanced Edition? Nos Passaran. Non, non, restez. N'écoutez pas Nick Taras. Tout va bien. Tout se passe très très bien ici. Bon, le brouillard est très très bien rendu. J'avais peur qu'il soit... Il est un peu plus brumeux. Peut-être. On a la carte. Il nous a filé une carte. Hein. Donc là, on est là. Il faut qu'on aille au Broken Hospital. Quel plaisir de retourner à Silent Hill, hein. You break my heart. Ok. Donc on tourne à droite là. Hein. Évidemment, dans Silent Hill, rien ne se passe comme prévu, donc la route est bloquée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le grand tour. Ah, peut-être qu'on peut passer par la petite allée là qui va à Blue Creek Apartment. Je pense. Salut Nick Taras. Je n'ai rien à faire là-bas, il n'y a rien. Ah bon? Alors comment s'y rend-on? Ah, on peut passer par... oui, par l'autre... par l'autre rue. Allez, bonne nuit Nick Taras. Merci à toi pour la peine. Allez. Faudra pas en abuser, hein. Après, vous êtes trop gâtés. Et les enfants trop gâtés, après, ils sont turbulents. On va se réarmer, là. Hein. On va reprendre le katana. Je suis sûr qu'il y a de la bouffe, là. Hein. Non. Bon, quand je dis de la bouffe, vous avez compris. Hein. C'est de la boisson énergisante. Et il court vite là, hein. J'ai chopé le truc là pour les chiens. C'est un coup vertical. Ça relève pas, hein. Il demande pas son reste. Il a compris là. Il a compris de quel bois on chauffe. De bonne cagette.
Voilà, vraisemblablement, on est sur le bon chemin. J'ai peur de louper plein de munitions, plein de balles. C'est ça qui m'ennuie. On a quand même bien fait de le mettre en anglais, hein. Vous voyez, là on aurait été embêté avec Silent Hill, avec sa carte. Ça aurait été en russe, ça aurait été notre suspension consentie d'incrédulité aurait été pas très suspendue justement. Et beaucoup moins consenti. Bon, ben, lentement mais sûrement, nous nous dirigeons hein, vers l'hôpital. Quel plaisir, cette ambiance sonore. Encore un ennemi, là. Ah oui, mais eux, ils sont difficiles. Hein. Je préfère pas m'y frotter. En plus, ils sont deux. Attendez que je dépasse pas l'hôpital. Non, ça va être là. Ça va être là sur la droite. Quel plaisir de retourner à Silent Hill. Bon, il va peut-être pas m'emmerder, mais il court vite, hein. Donc, ouais, c'est bon. C'est bon. On a la maison, là. J'allume pas ma lampe tout de suite. Parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Et voilà, on a la carte. Parfait. I only joking just I like her as a friend. On parlait de qui là? Brookhaven Hospital. Bon, on le connaît, hein. On le connaît par cœur. Bon, j'ai un petit peu oublié. Il est un peu labyrinthique, hein, cet hôpital. Hein. Alors, ça, c'est normal que je le connaisse pas bien. Hein. Bon. Vous pouvez pas tout me demander. Ah, voilà. Déjà que c'est depuis tout à l'heure c'est fluide de chez fluide. Ah, il y a la document room là. Le verrou est cassé. Ok. Bon. Là, il y a du monstre. Oh, c'est les infirmières. Ah, c'est plus stressant là. Une petite Barbie là, avec un petit livre. Alors, il devait y avoir des mômes aussi ici. Moi aussi je jouais avec des poupées comme ça quand j'étais petite. Tous ces souvenirs. Heureusement que j'ai recliqué une deuxième fois. Hein. Le jour est enfin arrivé. Enfin, nous allons nous rencontrer. Tu étais toujours dans mes pensées, ici, dans cette cellule lugubre. Je ne connaissais même pas ton nom, ton visage, jusqu'à ce jour. Maintenant, je sais. Je sais que tu es l'élu que j'attendais. Et toi, ne m'attendais-tu pas aussi? C'est pour ça que tu es venu me délivrer. Oh, je t'aime tant, Heather. Je veux te donner ma meilleure poupée. Je l'ai faite pour commémorer notre rencontre. Le début d'un amour éternel. Ah, je vois déjà ton visage souriant. Stanley Coleman. Dis donc. Dis donc, Stanley. Ah non, je voulais la feinter. J'ai voulu la feinter. Et puis ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu tout le sang là? L'option Blood est vraiment fantastique. Là, il y a du sang. Alors, surtout quand on attaque au katana, on s'attend à énormément de sang. Là, je suis reparti dans l'autre sens là. Hop là. C'est à cause de la caméra. Bon, là, c'est par où on vient de rentrer. Je check vite fait la carte. On est bien. Bon, on connaît. Hein. Là, je reconnais. Hein. Tout va être fermé, là. Je me souviens de tout ça. Ah, par contre, là, il me dit qu'on peut pas le faire. Dans l'autre, voilà. Dans l'autre, il y avait possibilité. On va faire aussi ici. Je me souviens très bien. Hop. Oui, forcément.
Ah non, 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 je pensais qu'on retournait dans le bureau, mais non. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Elle est en train de regarder quelque chose, là? Encore des notes? On dirait un dossier médical, c'est celui de ce Léonard. Est-ce le même Léonard dont parlait Vincent? Chambre S12. Victime de faibles hallucinations visuelles, d'instabilité émotionnelle, de troubles obsessionnels, schizophrénie possible. Observation à poursuivre. À la base, calme et coopératif, doté d'un sens aigu de l'équité, des rapports font néanmoins état de tendances très violentes en cas de surexcitation. L'autre est celui de Stanley Coleman. C'est le gars qui a écrit ce journal. Chambre S7. Normalement passif et poltron, égotiste. Montre et affiche parfois un attachement obsessif à une femme en particulier, déjà à l'origine de plusieurs incidents violents. Restez vigilant. Donc c'était S9 et S12, hein, c'est ça? Il n'y a rien d'intéressant sur le bureau. De toute façon, toutes les notes, on peut les retrouver. Hein. J'ai vu ça dans notre carnet, journal de bord. Une note est collée au réfrigérateur. Réservée aux denrées alimentaires, interdit aux médicaments. Ben, on s'en souvient de ça. Je demande si on peut y mettre des boissons revigorantes. J'ai une boisson revigorante. Voilà. Très bien. Allez, bonne nuit, Bad Boy Gamerang. Salut, et merci d'être passé, je t'embrasse fort, je te dis à bientôt. Mais à la limite, on peut... ça fait quoi ça... Oh, ça fait 1h20. J'ai envie de continuer un petit peu. Toi, tu fais quoi, Léa? Sinon, ça arrête là, hein. On n'a pas fait la cafétéria. Ok, donc là, il y a aussi la pièce en face, là. Là, on a tout fait, là. Non, on n'a pas fait là, derrière. Je me trompe toujours. Mais c'est l'ascenseur. Ah, on peut prendre l'ascenseur. Oui, mais avant, j'aimerais checker bien tout. Non, non, moi, j'ai envie de streamer encore un petit peu. Là, je suis content d'être arrivé à Silent Hill. Là, c'est du bonheur. Ah, c'est verrouillé, voilà. Non, il faut absolument qu'on sache. J'ai envie de la feinter, mais je sais pas trop comment faire. Voilà. Ah c'est bon, on l'a là. J'ai le timing. Ok, bah d'ici 10 minutes. Très bien. J'arrête de streamer d'ici 10 minutes. On parcourt encore un petit peu. Puis comme ça on se donne rendez-vous demain. C'est plus sympa quand il y a du monde sur le chat. C'est plus rigolo. Le verrou est cassé. C'est pour ça que je préfère faire tout dans l'ordre. Pour pas avoir à faire du backtracking. Oh là là. Vous savez quoi là? Je peux pas le recharger. En plus, y a rien. Allez, on se casse. Allez, non, t'es pas morte. C'est pour de faux. Non, puis on a trouvé une... Ça valait le coup, on a trouvé une... On a trouvé une boisson énergisante, une grosse. Ça valait le coup de se faire latter un petit peu. Je me doutais que... Quand il y a plein de monstres comme ça, en général, il n'y a rien, c'est un piège. Et ben on retrouve... Oh là là, regardez-moi ce... Ce fourbi. Hein? Vous avez vu ce fourbi? On va lire déjà ce qui est écrit là. On a un fan très spécial à Léonard. L'organisation me séquestre là-dedans. Ils veulent me mater, me faire oublier tout ça. Mais je garderai tous mes esprits, même s'ils m'enferment avec des cinglés. Et si je collais ça au mur, ça ne servira à rien. On peut le décoller, non? Avec cette merde que ces vieilles folles utilisent à tout va. Quand une chose n'a pas de sens, inutile qu'elle existe.
comme tu existes pour moi. Mais pourquoi n'as-tu pas emporté ma poupée? Ah, mon cadeau t'a gêné. Tu es si mignonne, Heather. Stanley Coleman. Il y a plein de choses collées au mur. Un biscuit, une brosse à dents, une cuillère, une carte de Noël, une horloge. Cette personne a sûrement utilisé de la glu, mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une clé a été collée au mur. J'aimerais la prendre, mais elle est vraiment bien collée. Je n'arrive même pas à la tirer. Ouais, donc là, il faudra... Ça va être marqué sur le plan, j'imagine. Ouais, voilà. À la C4, comme l'explosif. Il faudra qu'on revienne chercher la clé. On peut pas prendre sa poupée? Dégoûtant, je ne toucherai pas à ça, même au bout d'une perche. Non, elle veut pas prendre. Elle veut pas prendre la poupée. Le jeu est vraiment très très joli, hein. À chaque fois, je vous dis que je regarde le retour, et... mais c'est vrai. Bon, après sur YouTube, bon, on perd un peu en qualité avec le traitement. Bon, on a fait tout l'étage là. On a l'ascenseur. L'ascenseur ne répond pas. Bon, bah très bien. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on retourne à la salle de sauvegarde. Hein, qui se trouve juste là. Et puis, on va se laisser ici. Comme ça, on se souviendra qu'il y a la clé. Et puis, voilà. On fait comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On a fait 1h27. C'est très, très bien. On va se laisser là. Je retourne en facecam. Voilà. Bon, bah, merci à tous d'être passés. Merci à Bad Boy Gamerang. Hello. See you soon, William. Salut, Léa. Salut, Nick Taras, bien sûr, qui est passé. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu les autres. Mais bon. C'est du turnover. Certains arrivent, certains repartent. Et repassent. Voilà. C'est ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit peu de monde sur le chat. Ça me fait plaisir. Et j'ai envie que ça continue comme ça, donc c'est bien de faire des DVD d'une heure et demie. Voilà. See you, bro. Alors Léa qui me dit, tiens, comme je vais pas tarder, je pense à un truc, Romain. Tu crois que ça serait possible de proposer à la fois du 720 et du 480p en quali streaming pour le live de demain? En fait, Léa, je crois que toi-même... Alors, je vais regarder ça, parce que c'est vrai que moi, il propose que du 720. Je vais regarder si on peut mettre plusieurs options. Parce que c'est vrai que des fois, on est sur un live... Et on peut le mettre en 480 ou en 1080 ou en 4K. Enfin, ça dépend des streamers. Mais je vais regarder ça si on peut proposer plusieurs options de résolution. Voilà, je vais regarder ça. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain 21h pour la suite de Silent Hill. L'excellent Silent Hill. Allez, dormez bien. À demain. Tchuss. Our
These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. Our soul. We live for the music.